L'ensemble des gendarmeries françaises aujourd'hui vont observer une journée d'hommage à Éric Comines, ce gendarme qui a été tué à la bretelle d'autoroute. C'est un homme aux états de service irréprochable, 54 ans, militaire, gendarme. Il était installé du côté de Mandelieu-la-Napoule, c'est là qu'était son peloton de gendarmerie. Alors on l'a dit hier, hein, c'était un délinquant de la route. Le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité hier de BFM et d'RMC, précisait qu'il était déjà connu pour des refus d'obtempérer. Il avait pourtant un permis de conduire valide. Ce qui fait dire à certains responsables politiques qu'il faut durcir les sanctions contre les refus d'obtempérer, puisqu'il y a un sentiment d'impunité. Rappelons qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. C'est pour ça qu'Éric Ciotti annonce le dépôt d'une proposition de loi pour davantage sanctionner les auteurs de refus d'obtempérer. Il propose une augmentation de la peine d'emprisonnement de 2 à 3 ans, un doublement de l'amende qui passerait de 15 000 à 30 000 euros, une annulation obligatoire du permis de conduire pour une durée maximale portée de 3 à 5 ans et une confiscation obligatoire du véhicule. En cas de récidive, le texte prévoit une annulation obligatoire du permis de conduire pour une durée maximale de 5 ans. Et si le refus d'obtempérer est aggravé, eh bien cette suspension peut aller jusqu'à 7 ans. Tout comme la durée d'annulation. Faut-il effectivement durcir les sanctions contre les refus d'obtempérer? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, en tout cas, nous l'avons vu avec Alain Marchal, et on voit effectivement le gendarme qui se met sur la voie et fait signe à la voiture de s'arrêter, et cette voiture, enfin le conducteur ne freine pas, c'est-à-dire que le conducteur fonce sur le gendarme, et les images sont assez terrifiantes. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a un sentiment d'impunité dans ce pays et qu'il faut donc durcir la loi ? 32-16 pour en parler avec les GG, peut-être en tant que policier, gendarme, vous y avez été confronté, ou vous-même, être auteur de refus d'obtempérer, parce que j'entendais le témoignage justement d'un gendarme qui racontait les refus d'obtempérer auxquels lui-même est confronté. Et parfois, c'est pour un défaut de permis. C'est quelqu'un qui a eu peur parce qu'il sortait d'une soirée ou d'un anniversaire, il y avait un peu d'alcoolémie, et lui-même dit on ne sait pas sur qui on tombe, il y en a qui peuvent être anodins, mais c'est l'accélération, nous pendant une fraction de seconde, on doit réagir, quoi. Emmanuel De Villiers, on doit durcir les sanctions? C'est le moins qu'on puisse dire, ces refus d'obtempérer, ce sont la face apparente de l'iceberg de toutes les incuries. Les défauts d'assurance, les défauts de permis. Non, il faudrait une révolution judiciaire en la matière. Ce n'est pas simplement un ajustement. Il faut revoir totalement les choses. Il faut sans doute envoyer le curseur, parce qu'il y a toujours un effet de balancier dans le sens inverse, d'une fermeté extrême, avec la possibilité de mettre hors d'état de nuire sur le champ, à l'appréciation des forces de l'ordre, et puis des niveaux d'incarcération. Qu'est-ce que tu appelles hors d'état de nuire, c'est-à-dire ? La possibilité d'ouvrir le feu, évidemment, de manière mortelle. Puisque là, c'est le policier le gendarme qui a été assassiné. Oui. Non, il faut aller très loin. C'est à l'appréciation du policier, c'est compliqué sur une fraction de seconde. Hein. Bien sûr, mais il faut arrêter d'être dans cette culture, comme on le dit, de l'excuse, dans cette culture de la mansuétude, de la victimisation, parce que les forces de l'ordre ont droit, dans la difficulté de l'exercice de leur fonction, ont droit au moins à cette protection de leur vie. Joël ? Moi, je suis assez étonnée du nombre de points il y a sur son permis, malgré les nombreux 9. Refus, 9 sur 12. Donc malgré les nombreux refus d'obtempérer qu'il avait déjà effectués, si on peut dire ça comme ça. Avec aussi des violences sur personnes dépositaires de l'ordre public. Et donc quand Gérald Darmanin nous annonce un durcissement, je me dis, je pense qu'effectivement on a une marge, on a encore de la marge sur le durcissement, puisque si on a 9 points sur 12, donc ça veut dire que, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, moi, le permis, t'as 9 points sur 12, ça veut dire que t'es un très bon conducteur, avec un bon comportement sur la route, je veux dire, quand on te dit t'arrêter, tu t'arrêtes, tu respectes plutôt bien les radars, ou peut-être un dépassement du test de 10 km heure à tout casser, mais t'as un super profil avec 9 points sur 12, pardon. Et là, on apprend que non, donc oui, je pense que Gérald Darmanin a bien raison, dans la mesure où ça devient maintenant une habitude. Avant, peut-être que c'était quelque chose d'assez rare, sur des profils assez précis. Là, ça devient quelque chose d'assez habituel. Et d'ailleurs, à condition d'appliquer la loi, parce que c'est toujours le problème, c'est que le législateur, Éric Ciotti dit qu'il faut durcir la loi, va faire voter une loi plus dure, mais après c'est le juge qui apprécie. Et donc quand on dit ça peut aller jusqu'à 30 000 euros d'amende, ça peut aussi être beaucoup moins. Quand on dit ça peut être jusqu'à 7 ans de suspension de permis, ça peut être aussi beaucoup moins. Donc en fait, il y a la loi et l'application de la loi. Est-ce que le problème, c'est pas l'application de la loi?
on a un problème d'application de la loi, mais on a aussi, je pense, un problème peut-être de peine planchée sur certains délits ou en tout cas qui deviennent récurrents et qui mettent en danger la vie de policiers, mais même de citoyens lambda. Effectivement, enfin, on peut réfléchir à certains délits à mettre de la peine planchée. Enfin, moi, je suis pas pour un autoritarisme débridé. Simplement, je suis pour un réalisme. Et de comprendre dans quelle société on vit. Et on doit adapter, en fait, nos lois, notre façon de voir les comportements de certains citoyens. Et ça doit s'adapter. On ne peut pas rester comme on est actuellement et dire, on a 20 refus d'obtempérer, voilà, ce n'est pas très grave. Les gens, toutes les 20 minutes, il y a un refus d'obtempérer, mais ce n'est pas très grave, on continue comme ça. Il fait bien durcir. À terme, on n'aura plus de force de l'ordre pour assumer cette situation. Ils ne voudront plus. Les policiers ne voudront plus. Et quand on juge, les avocats disent... de manière privée, qu'il y a beaucoup de juges, de plus en plus, dans tous les domaines d'ailleurs, qui exercent leur jugement plus en fonction de ce qu'ils pensent, parfois, dans leur conception, qu'en fonction des textes. Bruno Poncet. Moi, je suis éberlué par le nombre de refus d'obtempérer qui sont recensés. On parle de 70 par jour. Enfin, moi, je conçois pas ça, parce que, en fait... on l'a tous fait, on a tous pris le volant avec 0,9 ou on a pris le volant, on roulait trop vite, on se faisait arrêter. T'as joué, t'as perdu. Et si on s'arrêtait et on se taisait, et puis souvent la voiture a resté là, et puis tu te barres après, les flics qui t'emmenaient ou ils disaient quelqu'un vient vous chercher, puis c'était comme ça. Et en fait, t'avais pas ce truc de dire tiens, j'ai un flic, j'accélère. Enfin, moi, j'ai vu les images aussi, et je suis effaré par la violence du truc et puis par la connexion intellectuelle du mec qui se dit tiens, le flic est devant moi, je vais accélérer, quoi. Jamais, enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Alors, fait il était que... en état d'alcoolémie. Hein. Ouais, enfin bon... c'est pas une excuse, mais c'est pour expliquer l'état aussi du conducteur. Ouais, mais moi, je comprends, mais enfin, mon Dieu, tu vas écraser quelqu'un. C'est quoi le mieux? C'est de te faire gauler avec un gramme 4 ou 2 grammes ou de buter un homme? Enfin, moi, je comprends pas le cheminement. Et aujourd'hui, on... Alors, comment expliquer qu'il y en a de plus en plus? Parce que, en fait, c'est pas qu'il y en a de plus en plus. Sur 10 ans, ça n'a pas forcément augmenté, mais ils sont de plus en plus graves. C'est-à-dire que c'est des refus aggravés. C'est-à-dire qu'il y a une violence à un moment donné exercée sur le policier, le gendarme. Délibéré. C'est ça la différence. Ouais. Délibéré. Pourquoi? Comment l'expliquer, ça? Moi, je sais pas. Il y a peut-être. Aujourd'hui, tu sais, t'en as certains peut-être qui n'ont pas la jauge de la moralité placée au bon endroit. C'est-à-dire que pour eux, peut-être que le permis est plus important que la vie de quelqu'un. Donc le mec il dit si je perds mon permis, je peux plus bosser, je peux plus faire ci, Moi je pense que c'est la volonté éminemment condamnable de se soustraire à l'État, justice, à l'appartenance à notre pays. Non, je pense pas, tu vas trop loin, je pense plutôt que c'est... L'homme en question était connu quand même pour des outrages et pour défier les forces de l'ordre. Donc il avait quand même un problème avec l'autorité et effectivement les représentants de l'État. Non, parce que c'est un Vendéen qui fait ça, tu dis pas que c'est pour s'extraire du pays en fait. Situation régulière, mais d'ailleurs son titre de séjour avait été reconduit malgré ses délits. Jusqu'en 2026. C'est là où tu peux dire qu'en fait il y a deux choses qui sont distinctes. C'est-à-dire que tu as le juge ou le magistrat qui regarde les infractions routières, et puis tu as le pédigré du bonhomme. Donc, celui qui juge les infractions routières, il est là pour dire, monsieur, vous avez encore perdu 2 points de permis, vous avez fait un excès de vitesse, vous refaites des stages, puisqu'il avait 9 points, il faut le rappeler. Et puis après, à qui tu as affaire? Alors, est-ce que dans ces cas-là, il faut joindre les deux dossiers? Tu vois, c'est-à-dire puisque l'individualisation de la peine en disant vous êtes là devant moi pour que je regarde vos points et votre infraction, mais je vois aussi qu'à côté de ça, vous faites preuve de violence sur personne dépositaire de l'ordre public, il y a déjà des refus d'obtempérer, tu vois. Et dans ces cas-là, tu dis monsieur, je suis désolé, j'ai affaire à un délinquant tout court. Donc votre permis, je vous le sucre. Tu vois, dans ces cas, est-ce qu'il faut faire ça? Votre permis et votre titre de séjour. Et le titre de séjour aussi. Je ne sais pas. On peut quand même avoir le choix de garder sur le territoire des personnes qui n'ont pas, à de multiples reprises, démontré leur non-respect de l'autorité, mais même presque de l'État, en l'état actuel des choses. Donc, c'est des choses que je ne comprends pas. Quand on nous parle de durcissement, je pense qu'il y a un problème en fait, de logique. J'ai l'impression que nos services de l'État travaillent de manière séparée, parallèle et non conjointe. Il n'y a pas de logique derrière l'attribution de titres. Même pas une question de nationalité. Ça peut être aussi quelqu'un. Un Vendéen. Tu parlais d'un Vendéen, bien sûr. C'est au-delà de ça, refus de l'appartenance aux règles civiques républicaines. Non. Le Vendéen, je dis pas. On va le garder. Je dis pas que c'est une question de nationalité. Cet homme-là, peut-être, il n'avait rien à faire sur le territoire. Je dis pas que c'est une question de nationalité. Je dis qu'au moment où on examine ton dossier pour te renouveler ton titre de séjour, parce qu'on estime que vous remplissez les conditions, mais quelles sont les conditions?
quelles sont les conditions que l'on doit remplir, en fait, pour avoir un renouvellement de titre de séjour en France. Est-ce que la préfecture est au courant de ce qu'il fait par ailleurs ? Mais je suis sûr que non. Je suis sûr Mais par contre, t'as un sujet quand même. Le refus d'obtempérer, si ce sont plusieurs refus, c'est comme si toi, t'avais une arme, tu tires sur quelqu'un, tu le rates deux fois, la troisième fois, tu vas toucher. Mais à un moment donné, moi, je comprends pas qu'au bout du deuxième, on dit bah, écoute, mon gars, il n'a plus de permis. Stop. Et tu achètes une bagnole sans permis, si tu veux, à un moment donné, ou tu achètes un vélo, mais tu te démerdes. Alors, l'annulation à vie, ça n'existe pas, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de peine à vie, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on propose des annulations sur 5, 7 ans. Oui, alors, on va écouter Samuel. Les gens de conduire, malheureusement. Bonjour, Samuel. Bonjour, les bonjour, bienvenue. Bonne rentrée à vous, Samuel. Merci à vous aussi. Des GG. Vous êtes en pleine forme. Alors, allez-y, Samuel. Quel est votre point de vue, vous, le radiologue de Strasbourg ? Moi, mon point de vue, je vais vous dire une chose. J'habite près de la frontière allemande et la frontière suisse. Vous faites un délire sur une autoroute allemande. Ben moi, je vais vous dire une chose. La police, elle vous prend, vous payez, elle vous amène un distributeur si vous n'avez pas d'argent. Vous allez au distributeur, vous donnez l'argent et à ce moment-là, on règle des problèmes. En Allemagne, vous rigolez pas avec la police allemande. Vous rigolez pas avec la police suisse. Vous inquiétez pas. Il y a aussi des refus d'obtempérer en Allemagne. Oui, peut-être, mais je vais juste vous dire une chose. Les personnes qui le font, ils se font vite rattraper et la police allemande, elle est très respectée. Parce qu'il y a un respect, il y a une mentalité qui fait qu'on respecte la police allemande. Parce que faites ça aussi en Belgique, vous allez voir comment vous allez être reçu. Comment alors vous expliquer la différence entre les Belges, les Allemands et les Français? Moi, la police belge, j'en fais pas un étendard. Hein. Je vais vous dire une chose. En France, quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé il y a un an, le laxisme qu'on dit, je veux dire, moi je suis désolé, quand un policier vous pointe avec son pistolet, faites ça en Allemagne, vous allez voir si vous allez redémarrer la voiture, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Donc, après, il faut arrêter de dire que maintenant, en France, vous voyez, il a 17 ans, le pauvre, il pouvait pas, machin. Mais il faut arrêter. Il n'y a aucun respect de la police française. Les juges, ils sortent des jeunes, ils sortent des gens, 5 minutes après qu'ils soient fait arrêter. Comment voulez-vous que la police soit respectée? En Allemagne, ce n'est pas le cas. Faites une fois une bêtise sur une autoroute allemande, vous allez voir comment vous allez être reçu. Et les délinquants, ils comprendraient la leçon, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ben non, parce qu'il y a une mentalité qui est différente en Allemagne qu'en France. Il y a moins de laxisme. Faites des choses en Allemagne. Vous jetez des papiers ou quoi, ok, vous allez voir comment vous allez être reçu. Vous avez tout de suite une amende. En France, on peut jeter des trucs, on peut machin, c'est pas un problème. Joël, tu veux... Non, je rejoins juste Samuel. Ce que dit Samuel. Alors, pas la police, j'en sais rien, mais je sais que mon chéri est allemand. Et il me dit souvent, mais même un papier, les gens te regardent mal, t'es même très gêné, etc. Enfin, c'est dans des comportements assez... banal, en fait, que tu sens que les gens se tiennent encore. Moi, ici, les gens se tiennent presque plus. Il faut vraiment de l'autorité partout. On parle d'autorité tous les 4 matins. Parce qu'en fait, les gens ne se tiennent plus eux-mêmes sans autorité. Et même avec un passage en prison, avec plusieurs condamnations comme ça, mais les gens sont immunisés. Moi, j'ai l'impression que les gens sont immunisés de la prison. C'est-à-dire que c'est devenu banal pour eux. C'est normal. Voilà. Samuel, je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt pour de nouvelles discussions. Samuel, passez une bonne journée du côté de Strasbourg. Continuez de nous appeler au 3216. Dans un instant, refus d'obtempérer. Doit-on durcir les sanctions? D'abord, pourquoi est-ce qu'on en est à 22 000 refus d'obtempérer par an, avec quasiment un toutes les 20 minutes aujourd'hui? Et surtout, c'est la proportion des refus d'obtempérer aggravés qui augmente. C'est ça aujourd'hui qui doit nous interpeller. Et j'entendais des policiers dire aujourd'hui, quand on sait qu'on est sur un contrôle, on sait qu'on est davantage en danger. Alors qu'avant, le contrôle routier, c'était... On faisait signe avec le bras, comme ça, les gens s'arrêtaient, ça ne mouffetait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va nous arriver, racontent les policiers ou les gendarmes, puisque c'est et la police et la gendarmerie qui contrôlent.